Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais réaliser le cocktail Dirty Martini. Vous aurez besoin d'un dry gin, en l'occasion c'est le Beefeater, d'un vermouth sec, un vermouth blanc, et de saumure d'olive, ainsi que de la glace. Alors, pour commencer, je vais mettre un quart d'once de saumure d'olive dans mon verre rempli de glace. Je vais ensuite ajouter 2 onces de dry gin. Je vais ensuite poursuivre avec une demi-once de vermouth sec. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais le shaker à la James Bond. Alors, quand on shake un martini, au lieu de le brasser à la cuillère, on se retrouve à avoir plus de dilution. La glace est fracassé plus violemment, donc on se retrouve avec un taux d'alcool un peu plus faible. Alors, je filtre le contenu dans mon verre à martini. Et voilà, vous avez le cocktail Dirty Martini, qui ressemble au classique martini, mais avec une touche un peu plus salée. Santé à vous!